Monsieur Choiseul n'est pas là, mademoiselle. C'est de la part de qui? Une amie d'Edouard. Moi, je suis sa femme. Non, c'est la femme de papa. Et vous savez pas où il est? Mais appelez Olga. Il est à Tokyo. Oh, on est en septembre déjà, merde. Pourtant, que je te l'avoue, la personne qui t'a téléphoné cet après-midi était une femme. Oh, même pas une aventure, même pas une passade, c'est rien. Ah, bah tiens, je suis content. J'ai trouvé le mot, c'est rien. Votre femme est décidée à entamer une procédure de divorce. Elle m'en a chargé. Quand vous voulez me foutre en quoi? Allô, Marie-France, je passe ma chérie une des soirées les plus sinistres de ma vie. Marie-France, on va au bord de la mer. Monsieur Choiseul, téléphone! Je te rappelle que tu joues ce soir à Chevreuse. Non, non et non. Ce cher Edouard, il est là et personne ne me prévient. Tu sais, je me pose souvent la question, pourquoi a-t-on divorcé? Parce que Marie-France était enceinte de 6 mois. Écoute, je suis fatiguée. Des allées et venues, de tes duos, de tes concerts, de tes petites musiques de nuit. Je me zare dans une chemise verte, Schubert dans une chemise bleue. Et moi dans une chemise rose. Vous permettez? Pardon. Ah, vous êtes comme moi! Dès que vous avez 5 minutes en survêtement, faire un petit coup et hop! Hein? Valentine! Chouette Lucienne. Oui. Remarque, Marie-France aussi. Elles sont toutes chouettes, Marcel. Toutes.